Ouais, ça dit quoi, négro? Alors là. Non, vous êtes où? C'est. Voilà, vous êtes. Voilà, j'allais dire CSC, mais je me suis retenu parce que je me suis dit c'est un truc de fou de dire CSC. Y'a Nemo. Je sais pas, frérot, tu m'as fait peur, voilà. Ouais, j'étais en train de bailler d'un coup. Non, mais t'es sérieux? Mais qu'est-ce qui t'a fait peur là? Dis-moi la vérité. Mais non, mais ouais, t'as insinué quoi là? T'as pas tout dit. T'as insinué quoi là? T'as pas tout dit. Mais... N'essaye pas de me faire dire ce que j'ai pas dit, d'accord? Tu t'appelles comment? Mohamed. Ok, Mohamed. À quel âge? Moi, j'ai 25. Ah, ça pue! Ah, enlève tes aisselles! Ah, ça aïe du cul, pélo! Tu m'as mis sous tes aisselles, frérot, ça a pu, frère, à 9 mois de là, tu joues à quoi? T'es marrant, toi, c'est bon, t'as fait ta vanne, là, t'es bon, t'es content, hein. Je t'appelle comment? Je m'appelle Danny. Je m'appelle Danny. Bah, t'es complètement débile, hein. Désolé, Danny. Tu fais quoi dans la vie? Je suis animateur dans une EHPAD. Quoi? J'essaie de comprendre le métier, là. Bah, je suis animateur dans une EHPAD. Mais comment tu peux être animateur dans un iPad? Dans une EHPAD, dans une EHPAD, dans une maison de retraite. Enfin, c'est pas pareil. Mais pourquoi dans tu me crées dessus? Ah, tu me crées dessus! Non, parce que tu pensais que j'avais dit l'iPad, mais non, c'est pas pareil. C'est EHPAD. Mais pourquoi tu parles d'iPad? Tu peux pas être animateur d'un iPad, t'es bête ou quoi? Laisse tomber. Eh, vas-y, laisse tomber. Eh, t'es au chômage, comme tout le monde, arrête d'inventer des métiers, d'accord? Non, t'es au chômage, toi. Arrête. Animateur dans un iPad. Mais oui, mais bien sûr, un iPad, comme par hasard. Prends pas un iPhone aussi. Avec les vieux. Oh, j'ai la vie de ta mère. La vie de ta mère. Voilà, je te connais, frère. Oh là là, j'ai mal à la tête. Les racks, les racks. Ah, mon frère, comment pas. Ah, t'es muet? Ah, je pensais que tu m'entendais pas. Ah, je pensais que t'étais muet. On va faire un jeu. Si je te dis, on règle un souci par un souci, tu me dis quoi? Bah, que les Arabes faut tous les chiens en France. T'es raciste. Ouais. Si je te dis, qui est-ce que tu crois que je suis? Non, t'as pas compris. Alors laisse-moi t'expliquer. Je ne suis pas en danger, Skyler. C'est moi le danger. Si un homme ouvre sa porte et se fait descendre, tu crois que ce sera moi le mort? Non, je suis l'homme qui frappe à la porte. Oh, pète sa grammaire, c'était trop stylé. Mais en plus, je t'ai mis une OST, enfant, toi, t'avais pas l'OST. Tu sais que t'avais trop de Karims, là, t'étais trop stylé, sa mère. Wesh. Tiens, tu veux de l'argent? Attends. Ma bite! Jamais le chômeur, quoi. Et je parle avec une image. Oh, mec, but... Mais what the fuck, mec? Ça va ou quoi? Wesh, bah ouais, ça va et toi, mon gars? Attends, regarde-moi tout droit sans bouger. Pourquoi t'as un œil au-dessus d'un autre? Bah, rien du tout. Je te jure que celui de droite, il est plus haut. Celui-là? Ouais, tu t'en étais jamais rendu compte? Bah, peut-être qu'après, j'ai un petit fumé aussi. Ah ouais, t'as fumé, du coup, là, il est monté, bah oui. T'aimes pas ma pièce? Wesh, mais t'as fait des dessins sur les murs, t'es fou quoi? T'as fait flipper, tu dors dans ça là? J'ai une question, maintenant j'ai une question. Ouais. Parmi tous les dessins, est-ce que t'as dessiné Zizi? C'est pas moi qui en ai dessiné. Ah, Zizi! Fais voir, c'était sûr! C'était sûr! Ah! Wow! Il est trop wesh! Il est trop bien fait, wesh! Oh, il va me faire bug là! Wesh, le Undertaker! Attends, mais me dis pas ton poteau, il dort comme ça pour de vrai, là. Il dort. Jure, voilà, il dort vraiment comme ça, là. La tête de ma mère, j'en pleure depuis tout à l'heure, gros. Je suis mort. Attends, enlève les lunettes. Je crois pas qu'il dort, j'y crois pas, c'est pas possible. Ah, mais il dormait pas. Vas-y, bande de nuls. T'as fait quoi, mon petit Guigui? Bah, ça mange des frites. Des petites frites. Des petites frites, comme ça, tranquille, avec un petit peu de cheval. Comment ça? Bah, du cheval cuit. Tu manges du cheval? Oui. Fais voir. Il est mort, hein. Ben encore heureux, si tu le manges cru, c'est chaud. Ben oui, sinon c'est quand même difficile, quoi. Le cheval. Oh, tu fais bien le cheval, toi, j'aime bien. Fais la poule. Attends, j'en mange pas souvent de la poule, je sais pas vraiment bien le faire. Tu manges plus de cheval que de poule? Oui, c'est pour ça. Tous les animaux que je mange, je sais pas bien les faire, sauf ceux que je mange souvent. Tu manges quoi, toi, souvent? Des animaux comme le cheval, les moutons... Des animaux comme le cheval? L'éléphant, t'as dit? L'éléphant, oui, exactement. Vas-y, fais voir le bruit de l'éléphant, il fait comment? Pas mal, pas mal. Et le mouton, il fait comment le mouton? Merci, frérot, c'est... Bah de rien, ça fait plaisir. Je suis heureux de pouvoir réchauffer une journée comme la tienne qui fait plaisir. Ben, ça fait plaisir que tu réchauffes la journée comme la mienne que parce qu'on s'est croisés et que c'est la vie qui nous a réunis de la Exactement. Alors ça, c'est quelque chose qui m'oriente dans le bonheur encore plus que d'habitude. Eh ben moi, le bonheur, de toute façon, il est toujours là présent. C'est juste que t'as augmenté le bonheur qui était toujours d'habitude présent qu'il est parti. Eh ben alors, si ça fait augmenter le bonheur de d'habitude,
d'habitude, c'est quelque chose qui fait encore augmenter le bonheur de d'habitude, que ça fait plaisir. Ah ben ça fait plaisir beaucoup, beaucoup, comme les petits poils qui restent sur ton crâne, ils sont tout doux. Exactement, surtout qu'en plus, sur mon crâne, il n'y en a plus beaucoup. C'est vrai, il n'y en a plus beaucoup, mais peut-être qu'il y en a beaucoup de avant qui n'étaient plus là. Et maintenant, il y en a encore. Exactement, ça c'est sûr. Avant, il y en avait beaucoup, qu'avant, ils se sont divisés en cheveux qui viennent moins nombreux que maintenant. Ben en fait, c'est parce que t'es tout tout mignon. Du coup, tous les poils, ils sont pas mignons. Ils sont partis, ils veulent des poils mignons que toi, il reste des mignons dans la tête un peu là. C'est des salauds. C'est des connards. C'est des fils du pute. Ouais, Cyril Hanouna, ça va quoi? Il rigole vraiment comme lui en plus. C'est pas sympa, tu sais que juste avant on venait de me dire Benzema et tout, j'ai Benzema, pas trouvé ça. Benzema, ouais, qui t'a dit ça, il a de la chara dans les yeux. Ouais, c'est la première fois que je vois une barbe avec une calvitie là. Non, ça n'a rien à voir, je me suis embrouillé avec un Mexicain. Il m'a pas écrasé le cigare sur la gueule, ce bâtard. Il me l'a effrité comme ça sur la barbe. Pourquoi tu l'as laissé faire? Parce que c'est pas vrai, t'es con quoi. Là, ce que tu vas faire, tu vas faire trois pompes et tu vas mettre deux hypercutes sur le truc derrière toi là. واحد جوج ثلاثه عرب موب ايفر فوالا سي با سي بيان فيغ لا الشعر ان بو بور فوغ لي شوفو سي فوالا لو رير دو فول Je t'appelle comment toi? Moi je m'appelle Clément. Tu t'appelles Clément? Allez, allez, allez. Allez, on se bat. Allez, on se bat. Vas-y, viens. Vas-y. Approche. Vas-y, viens. Viens, je vais t'en mettre une, je vais te casser les dents. Viens. Ah, j'ai frappé dans mon doigt. Il m'a cassé l'œil, putain, ce bâtard. Il m'a cassé l'œil. Voilà, j'ai cassé dans mon doigt, je me suis fait mal. La tête, il m'a cassé l'œil. Il m'a cassé l'œil, bâtard. Voilà, c'est fait mal tout le temps. Il m'a cassé l'œil. Ah, putain, je pleure. Bâtard. Ouais, t'es en cours? Ouais, je suis en cours là, frérot. Mais non. Filme la classe un peu. Ah, c'est le premier gars. Rigole, si c'est moi. La clé, moi, là. Je m'attendais à avoir une salle de classe, là. Wesh, toi, il y a un genou derrière toi. Arrête. La tête de Romain, il y a un genou derrière toi. Tu le vois pas, quoi? N'importe quoi. Mais il est là, là. Arrête, la merde, tu me fais peur. Mais tu le vois pas, là? Mais non. Mais frère, il y a personne, en fait. Enfin, je sais pas. Trop bien. Maman! Quoi? Je t'aime. Tu parles à ta mère ou à moi, là? Jamel, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Pourquoi t'as dit maman? Je suis pas ta daronne, moi. Jamel, à d'autres mots. Ah, vas-y, bah, demande à ta maman si j'ai le droit. Vas-y, papa. Je suis en live, il y a quelqu'un dans mon chat qui m'a dit, dis-lui, il vient d'où le maillot? Il vient de chez Maison du Foot, son maillot, il a acheté chez Maison du Foot. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Non, c'est. Non, Maison du Foot, frérot. Non, tu l'as acheté chez Maison du Foot. Mais comment tu sais ça, frérot? Bah, je sais à ta place, t'inquiète. Il a acheté chez Maison du Foot.fr si vous voulez le même maillot, il y a. Même moi, je l'ai d'ailleurs chez moi. Tu t'appelles comment? Bah Guillaume, à base de Guillaume. Ah oui, c'est vrai, il y a écrit Guigui, Guillaume. J'ai pas triché sur mon prénom parce que je voulais être une star reconnue à base de mon prénom. Ah c'est vrai, ben là il y a Guillaume Guillaume Play, il est connu plus que toi avec ce prénom. Oui, mais lui il a triché parce qu'il a pas moins de cheveux que moi. Il a pas moins de cheveux que toi. Attends, je dois poser l'addition là, je sais pas. Il a pas moins 1 plus 4. 18 moins 10 multiplié par 2 égale 14. Ah, 14 exactement, c'est le nombre de cheveux qui te reste sur ton crâne. Alors, tu vois, c'est qu'est-ce que je te dis? C'est ça, c'est le nombre de cheveux qui reste sur ton crâne, Guigui. Je le sais, c'est moi qui l'ai multiplié, la multiplication. Hé, hey, Guillaume, j'ai une question. Tu travailles? Non, pas encore. Tu travailles? Ah ouais? Ça, pourquoi pas encore? T'as quel âge, là? Parce que j'ai essayé d'arrêter et c'est pas possible. Et je peux te faire un quiz, Guillaume? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux conjuguer le verbe septembre? Le verbe septembre. Je septembre, tu septembre. Il septembre, nous septembrions. Pendant que vous septembriez, il septembrate. Pendant que vous septembrate, il septembratait pendant des dizaines de jours. Mais t'es trop fort, toi. Merci. Je vais jamais t'oublier de ma vie, d'accord? Tu vas rester gravé ici, là. T'as vu, là? Ça fait plaisir. Si tu veux, je peux même conjuguer le verbe octobre. Non, pendant que vous octobrate, ils octobraient. Pendant que vous octobrez, ils octobrataient à force de... Ouais, c'est ça. T'es bien, là. Et tu peux conjuguer le numéro 1? Oui, mais jusque 12 seulement. Vas-y, conjugue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après, c'est plus possible. Non, mais je t'ai pas dit de compter, je t'ai dit de le conjuguer. Ah, ok. Ben, dis-le spécialement aussi. Je
Je 1, je 2, je 3, je 4, je 5, je 6, je 7 pendant que vous septentez. C'est bon, Guillaume, arrête, arrête. C'est bon, calme-toi. Tu vas me dire, c'est quoi ta couleur préférée? C'est le jaune. Oh, ah, comme bah, moi. C'est comme bah, moi. Bah, pareil, mais je le savais. Je le savais, j'en étais sûr. C'est quoi là que tu bois? C'est la bière. Ah, mais voilà, je me disais, il y avait bien. Il y avait un guise sous roche là, c'était donc ça. Ben oui. Je comprends pourquoi c'est le jaune ta couleur préférée maintenant. C'est la couleur du pipi. Non. Ah, tu bois du pipi? Non, j'essaye d'arrêter, mais c'est pas facile. Hey, Guillaume. Oui. Est-ce que t'as une copine? Non, j'essaye d'arrêter aussi. Essaye d'arrêter d'avoir des copines? Oui. Parce que t'en as trop? Trop de beaucoup. Trop de beaucoup, ok, ok. Bah, bah, vas-y, Guillaume, moi je vais te laisser en tout cas. C'était un plaisir de discuter avec toi. Bah, c'était un plaisir de discuter avec toi aussi, Nemo. Bah, merci, Guigui. Tu vas sais que quand j'ai discuté avec toi, j'ai Nemo à dire. De quoi? J'ai Nemo à dire. Ça veut dire quoi, j'ai Nemo à dire? J'ai Nemo à dire. Ouais, bah c'est super ça. Vas-y, bah tu peux, on peut se quitter sur une musique. Tu peux me chanter une musique avant qu'on se quitte? Ah, la claire fontaine. Non, une musique triste, parce qu'on va se quitter là. Qu'est-ce que tu veux comme musique triste? Tu connais PNL? Ah non, PNL c'est les problèmes de quand on a des. Par exemple, la discussion qui s'est mal réglée avec la pollution. Voilà, regardez, j'avais jamais le chômeur. Wesh, on dirait grave Lucas avant qu'il perce. Tu ressembles d'ouf à Squeezie quand il était finito. Attends. Eh, viens, on fait un concours de cringe. Il y a pas, wesh. Ok, à moi. Kwakubaka. Apanyang. Concombre. Mais c'était trop drôle. Voilà, c'était trop drôle. Mais c'était pas un cringe ça, c'était drôle. Mais okay, incroyable la ref, la clune. Okay. Je vais te sortir une ref, ça va être vraiment gênant. Apagnon. Je suis désolé, non, pardon, je suis désolé, plus jamais je refais. Non, je suis désolé. Ah frérot, là, je dois y aller, je te jure, et à ma mère, ouais, elle m'a préparé des chips, frérot. Tu peux jouer un son qui t'inspire ma tête, que ma tête, elle t'inspire.